Alors cette semaine, Macron il est en forme, hein. Il a déclaré, je cite, « Il faut toujours prendre en compte le suffrage des Français !» Mais du coup tu vas l'appliquer à partir de quand? Parce que là, depuis 7 ans, tu fais exactement l'inverse, hein. Mais y a pas que toi, ton équipe c'est pareil, hein. Cette semaine, Bruno Le Maire il a fait son pot de départ. Bruno Le Maire qui nous a dit « J'ai sauvé l'économie française !» Bah non. Mais même le Sénat, il a recadré Bruno Le Maire sur le déficit du pays. Le Sénat, hein. Bon, bah quand un fonctionnaire qui a doublé son salaire te dit que t'as déconné avec l'argent public, c'est Renault qui te dit, dis donc. Mollo sur le Ricard, hein. Ils ont regardé les comptes. Ils ont vu un trou de 144 milliards rien que pour cette année. Donc c'est ça, Bruno, ta notion de sauver l'économie. Bah le jour où t'es sauveteur en mer, le seul qui s'en sort, c'est Léon Marchand. Après, vous allez me dire, c'est pas possible, il est passé où l'argent? Ah, mais l'argent, ça part très vite. T'es en début de mois, tu craques un peu. T'achètes un micro-ondes, une paire de godasses, tu fais un cadeau fiscal au PSG. Ça part vite. Parce que Darmanin, il n'aime pas les migrants, mais quand c'est des migrants du Qatar, c'est différent. Après, en milieu de mois, tu te fais un petit resto avec un collègue, et là, pas de bol, le collègue, c'est Laurent Wauquiez. Et bim, 100 000 euros de pince de crabe en note de frais. Mais ça va très vite, je vous dis. Et à la fin du mois, Bruno Le Maire, il est là, bon. Il va bien nous rester un peu de thunes pour mettre du chauffage dans les écoles. Et non! Parce qu'il faut encore payer l'emploi fictif de sa femme à 220 000 balles! Eh oui, mais vous êtes marrants, les copains! Et mis bout à bout, 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, à la fin ça fait 144 milliards! Putain! Bon, alors j'ai quand même une bonne nouvelle. Due à la baisse de la natalité, cette année il y aura moins d'élèves par classe. Bon, bah ça c'est bien! Et du coup, d'ici 2028, ils veulent fermer 2000 écoles! Et vous êtes complètement cons! Moins de gamins par classe! Mais c'était notre seule chance d'être gouvernés plus tard! Par des adultes qui savent mieux compter que Bruno Le Maire!